casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, whispered and are and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, and there's none beside thee, perfect in power, in love and purity. Il y a un peu de protestants dans l'église, il y a un peu de monde qui est les chrétiens dans l'église. D'ailleurs, ils sont à l'aise pour les chrétiens, ils sont à l'aise pour les protestants, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup dans nos églises qui sont des disciples. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On dit dans l'église, nous avons un peu de protestants. Nous avons un peu de monde qui est les chrétiens et ils sont très à l'aise pour dire que c'est chrétien. Ils sont très à l'aise pour dire que c'est protestant. Mais malheureusement, pas un peu de disciples. Pour qui ça, ils sont à l'aise pour dire que c'est chrétien ou protestant, c'est parce que tout simplement, gagner en ligne que vous parlez franchi. Parce que vivre une vie disciple, ce n'est pas n'importe quoi. Vivre la vie d'un vrai disciple, cela demande. Les gens qui sont dans le séminaire, ils sont capables de témoigner de cela. La vie d'un disciple, le facile, c'est lorsque vous quittez bon Dieu mener la vie. Maintenant et aussi longtemps, ou beaucoup qu'à quitter bon Dieu mener la vie, ou beaucoup qu'à mener en vie disciple. Dans les actes des apôtres, mes frères et sœurs, nous pas joindre une disciple de réclamer tête comme chrétien. D'ailleurs, le mot chrétien a été utilisé pour la première fois, c'était pas par des disciples, c'était par des gens de l'extérieur. C'était pour identifier ceux qui appartenaient à Christ, ce que nous trouvons dans Actes chapitre 11, le verset 26, où il est écrit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est juste dans Actes chapitre 11 où on va joindre le mot chrétien. Mais aucun de ses disciples ne s'identifiait pas comme des chrétiens, mais ils s'identifiaient comme des disciples. Ils s'identifiaient comme des disciples. Aujourd'hui, vous voulez non seulement vivre comme des chrétiens, vous voulez tout simplement vivre comme des protestants, mais vous ne voulez pas vivre comme des disciples. Parce que si nous devons vivre comme des disciples, cela veut dire que pour nous marcher, Jean-Christ est marché. Cela m'a dit pour nous agir, Jean-Christ est qu'on agit. Ça m'a dit pour nous remer, Jean-Christ est remer. Ça m'a dit pour nous remer, Jean-Christ est remer. Parce qu'un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui accepte d'accompagner Christ sur la route. Et la parole de Dieu nous dit,
pour accompagner Christ, faut que vous même pas avec Christ. Dans Amos, il a décrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de décider pour marcher jongler et pour Christ, ça marche en bord, marche en bord. Si vous êtes ici, il faut qu'on marche sous même pas avec Christ. Il faut être capable de gagner les sentiments de Christ. Il faut être capable de gagner les pensées de Christ. Il faut être capable et action et capable de coordonner aux actions de Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, ce matin, l'aspect que je veux voir avec vous, qui est un résumé de la conférence des jeunes, c'est une question à comment vivre comme un vrai disciple du Seigneur. Comment nous capables de vivre comme de vrais disciples du Seigneur? La vie du vrai disciple, mes frères et sœurs, je parle du vrai disciple. Si je parle du vrai, cela veut dire qu'il y a des faux disciples. Ok? Et dans nos églises, il y a tellement de faux disciples. C'est pour cela qu'ils se nomment chrétiens, ils se nomment protestants. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Leur garder des marchés, leur garder la vie, ils ne sont pas vrais. Leur entendre des paroles qui n'ont pas de faux. Même si nous n'avons pas bonjour, bonjour par la vérité. Les gens moins aimés, on aimait en passant dans le cœur. La vie de vrai disciple, mes frères et sœurs, est divisée en deux parties. Il y a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, ça correspond entre vous-même et le Seigneur. Et la partie, c'est la partie invisible, qui c'est vous-même avec le Seigneur. Et la partie visible, c'est vous-même avec le monde qui est en face de vous. Aujourd'hui, celui qui veut vivre comme un vrai disciple de Jésus doit tenir compte de ces deux aspects dans la vie du vrai disciple. La partie invisible de la vie du disciple, c'est que d'abord, le vrai disciple est... donne Jésus-Christ la priorité dans sa vie. Amen. Jésus a la priorité dans la vie du vrai disciple. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ a la priorité dans la vie d'un vrai disciple? C'est que la relation avec Dieu est tout ce qui compte pour ce vrai disciple. Amen. Tout ça qui est important pour vos disciples-là, tout ça qui fait délice que lui, c'est le Seigneur. Parce que vous connaissez, lorsque lui parle le Seigneur, priorité dans la vie, a fait la marche. Il y a des soucis que le pape gagne. Il y a des bagages qui ne peuvent pas inquiéter le pour eux, parce que le Seigneur est en priorité dans sa vie. David a compris cela quand il dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Jésus-Christ, lui, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. David, à quelque part, il a dit encore, je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que une journée vaut mieux dans la maison de l'Éternel que mille autres années. Jésus, c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. Donc le vrai disciple travaille par priorité pour lui. L'homme avec Christ, priorité dans la vie. Lorsque vous quittez le travail pour servir le Seigneur, il y a un peu de monde qui est capable de penser que c'est des perdants. Non, au contraire. Ou capable de pas gagner l'argent, mais on gagne plus que ça. Amen. Parce que pas gagner au moins.
servir mon Dieu pour sortir honte. L'homme quitte activité pour activité par mon Dieu. Bon Dieu, c'est le seul monde qui va jamais manger courage. Amen. Proverbe dit, monde qui souhaite pour vous, c'est pour nous changer de chemise, c'est pas vrai? Amen. Alors l'homme souhaite pour mon Dieu changer de chemise pour tout. Pas jamais croire au perdant leur bail mon Dieu priorité dans la vie. Parce que le serviteur a dit, Dieu n'est pas ingrat, n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour seulement. Leur faire mettez tout au même là-dedans. Faire avec tout au même, faire avec tout dévouement, faire avec toute compétence, faire avec toute qualité, faire avec tout ça que bon Dieu met dans vous comme positif. C'est vrai, vous pouvez avoir une incompréhension. Mais c'est mieux que le monde ne pas comprendre, mais le Seigneur comprend. Amen. Donc, le vrai disciple, ce qui est important pour lui, ce n'est pas madame. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas petite. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas carbone. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas travail. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas zombie. Mais ce qui est important pour lui, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que vous connaissez, sans Jésus, il ne peut pas faire rien. Sans Jésus, son ciel est voilé. Sans Jésus, tout n'a pas gagné qu'à marcher. Jésus même, il dit sans moi, il ne peut pas faire rien. Voilà pourquoi, au lieu que nous chercher, nous passer le temps à chercher et les autres choses, on nous cherche le Seigneur, on nous bat les priorités dans la vie, non? On nous bat priorité parce que pas de monde qui prend décision pour servir bon Dieu et puis pour sentir honte. Ou pas qu'à sentir honte. On nous travaille pour le Seigneur. On nous bat bon Dieu priorité dans la vie, non, mes chers amis. On nous apprend, on nous développe ça. C'est ça qui permet que nous soigner relation nous avec bon Dieu. Nous soigner intimité nous avec bon Dieu. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu. Mais à distance, ou l'église a c'est vrai, mais on très écarté du Seigneur, mais le Seigneur voulait qu'on en vienne. Amen. Comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir. Ou pas quand vous voulez servir bon Dieu, et puis pouvoir servir et dans le parvis seulement. Mais à nous entrer dans le temple, à nous entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là. N'a capable d'entrer dans une relation parfaite avec le Seigneur. Et cette relation, mes frères et sœurs, elle permet aux disciples de préserver, ou plutôt de persévérer jusqu'au bout et d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Relation, ça que vous avez développé lorsque vous avez priorité dans la vie, lui permet que vous persévérez, peu importe les circonstances dans la vie, que peu importe le problème, car la vie ne doit pas payer, hypothèque la vie ne doit pas payer, qu'on facture qui ne doit pas payer, mais on remet tout au Seigneur. Amen. Parce que vous avez un monde qui prend soin de vous. Hier, je crois que c'était à Frère Littère, avant de parler, dit. Il dit phrase ça qui capte l'attention. Il dit, pas bon monde qui travaille pour le Seigneur va prendre soin. Amen. Et c'est une vérité de pouvoir travailler pour le Seigneur, la prend soin. Donc, c'est lorsque vous apprenez, bah, bon Dieu, priorité dans la vie. Pour le disciple, ville pas important, mais ce qui est important pour lui, c'est la vie de Dieu dans lui-même. Tout le reste, boulot, madame, mari, caille, ça n'est pas important. D'ailleurs, Jésus-Christ même l'a dit. Si vous voulez, venez suivre moi, vous avez besoin de renoncer. Fait que moi-même, je prends toute place dans vous-même. Fait que moi-même, je prends toute place. Dans Luc, l'autre façon qu'on est capable de développer une relation, ça, c'est dans la prière. Laisse ça.
Oh, dans la prière, on cherche le Seigneur. Dans Luc chapitre 11, verset 1 à 13, Jésus-Christ dit aux disciples, quand vous priez, remarquez, Jésus-Christ n'a pas dit, quand vous avez envie de prier, il dit, quand vous priez, parce que la prière, dans la vie d'un vrai disciple, c'est une nécessité. Amen. Combien nous là qui prend temps pour nous prier par semaine? Des prières à nous, Seigneur, merci pour ton air. Seigneur, vous avez touché l'âme dans mes mains. Mais on ne peut jamais prendre un temps. Parce que tout le bagage, c'est une question de boutons là, tout le bagage marcher là. Même popcorn, là, on met les marqués popcorn, et puis popcorn fait une minute et demie. On nous suspend par le bon Dieu, bagaille réchauffée, on nous suspend par le bon Dieu, bagaille réchauffée. On nous prend temps pour avec le Seigneur. Est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois d'avoir cette envie d'aller prier? Hier, je parlais de ça aux jeunes. Des fois, il m'arrive de m'asseoir et de faire quelque chose et puis j'entends une voix qui me dit, viens à moi. C'est comme, il m'arrive que des fois, je travaille sur le taxi là, il m'arrive que des fois, même dans l'heure achalant d'ajout, je me sens si besoin pour m'accouiller, moi je prends ma chine, moi je monte sur mon bail là, et puis ma chine en côté me crier. Ou pas, je me connais pendant que je ne prends pas de prier là, c'est pour un accident, mon Dieu protégé. La vie de disciple, il doit avoir une vie de prière. Et cette prière, c'est cette prière qui va nourrir la foi du disciple. Deuxième aspect que nous joignons dans la partie invisible de la vie du vrai chrétien, c'est qu'un disciple, il demeure dans la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, combien de fois vous lisez la Bible par semaine? On connaît des gens qui ont la Bible juste le dimanche matin. Amen. Bien même si vous avez la Bible, si vous n'avez pas la Bible, vous avez mais combien de fois vous prenez le temps pour étudier la parole? Moi, je fais des expériences ces jours-ci en étudiant la parole, en préparant des études. Je découvre des trésors, je découvre des choses extraordinaires. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Des bagages que vous ne pouvez pas comprendre, et le Seigneur permet qu'on vienne comprendre au mieux. C'est dans l'étude de la parole de Dieu. Le même cas de la mercredi, nous venons là. Nous avons une belle étude biblique. C'est pas vrai, mes frères, mes chers amis. Une belle étude biblique le mercredi. Pourquoi vous restez chez vous? Et franchement, bon, malheureusement, demandez ce samedi, demandez ce midi, demandez ce Gina, demandez ce Marise, comment ça y est? C'est extraordinaire. Donc, mes frères et sœurs, nous devons passer temps dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. C'est lorsque nous étudions la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dire « Alléluia, béni soit l'Éternel ». Non, nous devons prendre temps dans la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Dans Esdras 7, verset 10, on nous dit que Esdras appliqua son cœur à étudier la parole de Dieu. Esdras appliqua son cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Esdras appliqua son cœur à enseigner la parole de Dieu. Ouais. Ces trois étapes, pour capable partager l'évangile avec l'autre monde, il faut qu'on le parle. Ouais. Pour disciple, il faut capable faire. Pour capable faire disciple, il faut ou même être capable de faire disciple. Mais pour un vrai disciple, il faut qu'on plonge dans la parole de Dieu. Il faut qu'on qui sache bon Dieu dit dans la parole libre. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous vivre une vie de vrais disciples. Nous avons besoin non seulement soigner relation nous avec le Seigneur, ça c'est l'aspect invisible. Nous avons besoin passer du temps dans la prière. Nous avons besoin aussi étudier, passer du temps, méditer la parole de Dieu. Ou c'est moniteur, ou c'est, je ne sais pas à quel niveau où il est, ou pas j'aime trop qu'on est, parce que la parole de Dieu, il y a tellement de trésors là-dedans, il faut chercher pour joindre. Prends le temps pour étudier la parole de Dieu, prends le temps pour méditer sur la parole de Dieu, prends le temps pour entendre le Seigneur parler à travers la parole de Dieu. Des fois, allez, il y a des sites, il y
et YouTube là, allez pas chercher et comment Britney Spears, pas chercher comment elle va là comme ça. Maintenant, allez sur des sites. Ou juste écrit Pasteur Pierre-Louis pour avoir un message. Amen. Et c'est ça, oui, c'est Amen. Juste Pasteur Pierre-Louis pour jouer un message. Amen. Ou bien vous écrit Jeune David Pierre-Louis sur YouTube pour jouer un message. Et pas seulement j'ai vu que nous chargés, des serviteurs de Dieu qui donnent des messages. Passez du temps, vous attendez. Ouais. C'est extraordinaire. Là, ça permet de grandir, ça permet de connaître la parole de Dieu. Et quand les gens vont vous demander questions sur la foi, ou comme ça pour dire. Non seulement, ça c'était l'aspect invisible. Mais pour finir cet aspect, je vais juste prendre un exemple. Pourquoi nous tous là, nous, si nous avons de la caoutte, si nous perdons un bagage, nous avons côté pour la chercher. Si nous avons besoin d'un bagage, nous avons côté. Parce que nous avons chaque coin dans la maison, c'est pas vrai? Nous avons chaque côté dans la maison. Il en est de même de la parole de Dieu. Nous connaissons tout côté que bon Dieu ait bénédiction pour nous. Amen. Là, ça, c'est pas mon. C'est pas parce que si nous après les bouvines prier avant. Moi, déjà, comme qui sa parole, bon Dieu dit, ou qu'on comment pour chercher guérison. Ou qu'on comment pour chercher délivrance. Ou qu'on comment pour chercher miracle. Ils sont guides. Parce que tout simplement, ou qu'on qui sa parole, bon Dieu dit, comment pour Dieu. C'est pas mon qui prend le barou, mais c'est où qu'on prend. Alors, la question pour vous ce matin, pour finir avec cette première partie, c'est comment considérer l'intimité ou avec le Seigneur dans la relation invisible ça qu'on va développer ensemble avec. Dans quel niveau intimité ou y est avec le Seigneur? En tant que si vous êtes disciple, si vous êtes un vrai disciple, si vous n'êtes pas uniquement un chrétien, alors. Ou car un peu de monde qui dit que c'est chrétien, mais c'est des chrétiens parce que il y a des bagages que vous ne connaissez. Il y a des examens que le Seigneur a fait ou pas qu'à faire en tant que disciple. Il y a des questions que la pose ou pas qu'à répondre. Parce que vous êtes chrétien ou pas dans le bien. Ou pas faire de voir. Donc, ou pas même un bon chrétien ou son chrétien. Deuxième aspect. Que nous devons tenir compte, mes frères et sœurs, si nous voulons vivre la vie d'un vrai disciple, c'est l'aspect visible. Si l'aspect invisible correspondait entre vous-même personnellement et votre Seigneur, dans la prière, dans la relation que vous avez développée ensemble avec lui, dans les études de la parole, mais l'autre aspect, ça correspond entre vous-même avec le monde qui est à côté de vous. Moun ki an fas ou a, moun ou a viv ansanm avèk li a, moun ou chita chak dimanche ou bò kote la, moun ou a pataje pain ansanm avèk li, ou a pataje du vin ansanm avèk li, sa genye rapòr avèk moun sa. Donc, la pati, un disciple, mes frères et sœurs, un vrai disciple, je bien dit, un vrai disciple du Seigneur aime les autres comme Jésus l'aime. Qu'est-ce que ça veut dire là? Nous disons vrai disciple, il remet moun, même Jean bon Dieu remet lui-même. Yeah. Maintenant, la question, c'est pour moi, dans quelle dimension que bon Dieu remet? Et je suis sûr que pas de monde n'a pas qu'à répondre, parce que nous connaissons le texte qui dit, dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers moi. En ce que, lorsque j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Donc voilà ce que Christ a fait pour moi, pour me montrer son amour. Alors qu'est-ce que tu es prêt à faire en tant que vrai disciple pour prouver ton amour à ton frère et à ta sœur? Est-ce que nous comprenons la logique là? Si vous êtes capable de considérer le niveau que mon Dieu remet, et il m'a dit pour aimer l'autre monde, même les gens, lui-même, il aime. Donc, il y a des sacrifices qu'on veut faire. Et hier, on a eu une discussion.
dans la classe. C'est sûr que ce n'est pas facile. Mais c'est ce que le Seigneur demande. C'est pour ça que la vie d'un vrai disciple, ce n'est pas une vie facile. La vie d'un vrai disciple, ce n'est pas une vie facile, parce que c'est une vie qui demande des sacrifices. Et si on n'est pas prêt à faire ces sacrifices, on ne peut pas vivre la vie d'un vrai disciple. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3. Et je vais lire doucement et écoutez bien. Quiconque est son frère, le verbe haïr, quiconque est son frère est un meurtrier. Qu'est-ce que ça dit là? Si je parle de mes frères, moi, ils sont mon meurtrier. Ça veut dire qu'ils sont criminels. C'est ça mon meurtrier dit, oui. Si je parle de mes frères, je parle de mes soeurs, moi, ils sont criminels. Criminels. La continue, il dit. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, voilà, mon père, il dit. Si pas aucun criminel qui a rentré dans ce ciel-là. Et qui est-ce qui ne veut pas entrer dans ce ciel-là, matin? Il y a des gens qui ne veut pas entrer dans ce ciel-là, levez même. Oh. Bah, il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas entrer dans ce ciel-là. Mais est-ce qu'on remet Jean-Christ remet? Amen. On va compter des protestants qui disent moi-même, parle avec un tel, moi-même, je t'avais contre un tel, moi-même, pas moi-même ça. On va pas voir les gens. C'est quoi ça? On va pouffer en l'air. Chrétien, on va pas régénérer, on va pas sauver. Il dit, vous savez qu'aucun criminel, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Bon, cela veut dire que même croire beaucoup croit, non? Souvent, il y a la vie éternelle, ça même croire beaucoup croit. C'est-à-dire que c'est protestant, on va protester contre quoi? On va même prendre contre qui ça va protester. Là. On est sérieux. Et quand ça veut dire ouvrir les disciples là, non. On nous le non. La continuité de ça, il dit, nous avons connu l'amour. Nous, c'est-à-dire, c'est les disciples. Hein? On parle aux disciples là. Nous, en tant que disciples, nous avons connu l'amour parce que nous avons vu, nous sommes témoins, nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu. Nous connaissons ça, remercier. C'est vrai? Amen. Il dit, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, on parle de Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie pour nous en sacrifice. Et écoutez encore, il dit, nous aussi, c'est pas facile là, il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Ça, c'est pas moi, mais c'est ma parole, pasteur là. Non, on connaît les démons nationaux, on connaît les gens qui prêchent pour la vie de l'église là. Si on connaît, ça fait, je ne dis pas ce que je ne peux pas mettre des programmes là derrière parce que je connais les gens qui prêchent pour la vie. Mais moi, je prêche la parole. Amen. Si vous avez un problème, c'est pas avec vous, vous avez un problème avec la parole. Parce que c'est la parole qui vous mène dans le ciel. Yes. Et si on parle dans le ciel, c'est pas moi parce que moi-même, je bois la parole. Amen. Et parole, ça m'a pas voir. Moi, je fais tout ça capable pour moi-même, je vis par ça. C'est vrai que je ne peux pas dire un bagage que moi-même, je ne pas faire. Parce que je ne peux pas aimer le Seigneur, ou même comme un pharisien hypocrite. Amen. C'est pour cela que je vis de la parole. Amen. Il dit, nous devons donner notre vie pour les frères. Il y a une soeur qui m'a dit, mais il faut au niveau d'intimité pour taille à mon nom. Peut-être qu'il a fait ça pour petit lit, il a fait. Mais ce n'est pas pour petit tout seulement pour faire. Ce n'est pas pour maman, ce n'est pas pour papa. La Bible dit pour les frères. Y compris les sœurs. Nous devons prêter
à nous sacrifier pour notre frère ou notre soeur. Si quelqu'un possède des biens du monde, c'est par la possibilité de la rue. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Quand les gens mangent à sous du feu, et puis pour où est son frère, on s'est venu, elle est couvrie. Il y a des gens qui toujours ont un problème. Ils ont toujours rasé. Non, il n'y a pas de marché parce que tout simplement, cœur aussi. Le bon Dieu parle, il va au coup, même si elle est au coup, frère. Parce que c'est pas bon Dieu, c'est Joss Meyer qui disait ça. Il dit c'est bon Dieu, on va dans le ciel, parce que dans le ciel, pour l'allonger, même par Sœur Midjin. Mais la servir avec, même pas pour l'allonger, par Sœur Midjin. Donc, mais on, mes frères et sœurs, c'est même mon Dieu. Amen. Poche, c'est poche, mon Dieu. Les dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Oui, dis-moi, mon Dieu, c'est pas facile, mais faire action qui accompagne l'amour, là, ça se voit bagarre. À l'occasion, mon Dieu, je t'aime, ma soeur, dans le Seigneur. Ça, c'est beau à dire. Hein, c'est beau à dire, hein. Hein, c'est, je t'aime, ma soeur, dans le Seigneur. Je t'aime, mon frère, dans le Seigneur, mais. Non. Qu'on action, ça. Il dit, nous besoin d'un mail en action et avec vérité. Et avec vérité. On nous continue, mes frères et sœurs. Quand la parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie tout simplement que, en tant que frère, en tant que sœur, nous devons, frère Luther, nous devons quoi? Nous devons nous impliquer dans la vie de ce frère. Nous devons nous impliquer dans la vie de cette sœur. Il y a des gens dans l'église, il y a des frères et sœurs dans l'église, ils ont tellement une barrière devant eux, qui entourent eux, pas bon frère qui a approché, pas bon soeur qui a approché. Au fond, quand pour l'église, la fini, le premier monde après qui partit dans le portail là, mais qui pas même prend temps pour bailler la main, c'est lui. Il met une barrière. Comme s'il ferme une bulle, on a vu ces expressions. Je ne vais pas faire une bulle au moins. Le chrétien, toute bulle pétée. Soit vivre la vie d'un vrai disciple, toute bulle pétée. Pas de barrière entre vous-même avec frère. Pas de barrière entre vous-même avec soeur. Je peux m'impliquer dans ta vie. Attention, quand je parle d'implication, je ne parle pas de nous immiscer dans la vie d'une personne. Immiscer, c'est-à-dire envahir la vie maintenant pour, dans tout détail, toutes sortes de délits ou dans des lieux. Qui ça la Bible dit lorsque la parole de Dieu nous dit que nous devons nous impliquer dans la vie de nos frères et sœurs? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25, la parole nous dit que nous devons veiller sur les uns sur les autres. Amen. Veiller les uns sur les autres, cela veut dire que la vie spirituelle, frère Dave, lui dépend de moi. Yes. Si moi, frère Dave, après ma chantier, j'en fauchu, je suis capable de redresser avec douceur et avec sagesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non seulement, moi, je nous devons veiller, nous sous l'autre, pas nous dire, pas nous entrer dans la ferme, à force et à ferme. Amen. Pas nous entrer dans la vie privée, ou chrétien, pas la vie privée. D'ailleurs, sur la vie privée, les privés pour frère avec soeur, vous privés pour le Seigneur aussi. La parole de Dieu nous dit, nous devons nous exhorter les uns les autres. Cela veut dire que moi capable de dire Sœur Gina, sauf faire aller pardon, vous devez manger au zéro. Et Sœur Gina,
Si son vrai disciple, il doit avoir bonnes oreilles à l'écoute pour le temps de samedi là. Même si elle fait mal, frère Claudel a remédié. Même si elle a diarrhée, vous devez attendre. Même si elle a votre mené, vous devez attendre. Parce que c'est parole. Imaginons, Nathan paraît pour David. Nathan paraît pour David, qui ne connaît rien de David. Mais bon Dieu mettait dans le cœur pour parler avec David, pour l'exhorter David. Il dit David, en tant que roi, vous pas supposé faire genre de péché ça. Vous êtes criminel, sans faire le pas bon. Et sagesse que bon Dieu mettait dans David, fait que David prend sang. Il prend sang avec sacré. Lorsque un frère vient proto pour dire, ah ma soeur, moi, on sait des petits bagailles là, moi-même, on ne va pas. Bien entendu, il ne faut pas faire l'esprit de jugement non plus. Il ne faut pas faire l'esprit de critique non plus. Parce que tout simplement, moi-même avec vous, nous avons une seule destination. Je ne peux pas aller entrer dans ce ciel-là et puis pour me quitter au derrière. L'apôtre Paul va dire, au point où nous sommes parvenus, nous devons marcher de même pas. Mais si moi, un pas en arrière de moi-même, il faut me faire promener pour me dire, en avant, on marche ensemble. On marche ensemble. Parce que moi, là, vous me veillez sur vous, ou là, vous veillez sur moi. Et franchement, je vous donne l'autorité sur ma vie, sur moi-même. Sous ta web, non, mauvaise direction. Lui, il me dit, pasteur David, qu'on doit y aller, pardon. Amen. Pas attendre que je me fâche. Dis, pasteur David, où on a dit, où on a dit, qu'on doit y aller. Amen. Parce que vim dépend de où. Salut aussi dépend de où. De façon pour veiller sur moi. De façon pour aider nous. Non, sur le plan spirituel, pas de plus fort, pas de plus faible. Je dis à ce qu'on ça, demain on est capable de battre. Donc c'est eux qui peuvent supporter l'autre, c'est eux qui peuvent aider l'autre. C'est ça, les Hébreux nous dit, et veillez les uns sur les autres, nous devons nous exhorter et une autre. Dans Colossiens 3, il dit, nous devons supporter une autre. Supporter, c'est-à-dire, l'aide dit supporter l'autre là. Cela veut dire, sœur Midi n'est capable de faire des défauts. Cependant, je ne vais pas des défauts, sœur Midi, non, comme un moyen qui pourrait empêcher m'avancer. Au contraire, le Seigneur a accepté sœur Midi avec ses défauts. Moi-même, tout le monde le supporte avec ses défauts. Le Seigneur, ouais, sœur Gina, avec ses faiblesses. Moi-même, tout le monde le supporte avec ses faiblesses. Au contraire, pas de nos disciples là, que le Seigneur te relève, il y a une pas différent, une par rapport à l'autre. Il y a chaque sortie dans un lieu différent, il y a chaque sortie dans une activité différente, il y a chaque défaut par eux, il y a chaque qualité par eux, mais le Seigneur veut utiliser la qualité là. Libre d'utiliser des fonds là pour travailler pour le royaume de Dieu. Nous devons avertir une autre. C'est-à-dire que si moi, je vais tomber dans un trou, je vais faire attention au bon trou devant, pas avancer. Nous devons nous instruire ensemble, c'est-à-dire ensemble pour nous étudier la parole de Dieu, pour nous aller dans une. Les autres, c'est ça la parole de Dieu nous dit. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit nous besoin de confesser le péché, nous y avons une autre. Yes. Ça fait nous qui écoutons. Nous besoin de confesser le péché, nous y avons une autre. Et si je viens de côté, si je viens de côté, c'est arrivé, moi je dis c'est arrivé, je l'explique aux gens, mais moi je ne parle pas de samedi, c'est arrivé là, dehors, dans la bouche, c'est Nancy. Parce que moi je prends comme mon confident, moi je prends comme mon compagnon. Dans l'église, hier nous dit, nous pas obligés toutes dans le même point d'affinité. Nous n'avons pas besoin de toutes les zones, même point d'affinité. Nous avons choisi des compagnons de prière. Yes. Nous avons choisi des compagnons, les faire pour aider, pour remonter. Alors, si nous avons choisi Sœur Yvette, nous avons choisi que nous choisissons. Et si nous confessons avec Sœur Yvette, la responsabilité de Sœur Yvette, c'est aider à prier pour que le bagage soit changé dans la vie. Amen. Parce que nous avons
dépend de l'autre pour que nous allons dans le ciel là. Parce que dans le ciel là, pas de marceau. Non seulement nous devons confesser nous avec l'autre, mais dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il dit nous avons besoin d'édifier nous avec l'autre. Édifier, c'est-à-dire pour nous tous, pour nous vivre solides ensemble. Parce que nous sommes un temple. Nous avons grandi. Mais s'il n'y a pas une base solide, n'est pas bon. Nous avons besoin de nous édifier ensemble, nous avons besoin de faire force ensemble. Donc s'impliquer, mes frères et sœurs, dans la vie les uns des autres, c'est quelque chose qui doit se faire avec sagesse et avec amour. Donc, non seulement nous devons impliquer dans la vie de l'autre, c'est-à-dire, vrai disciple, il doit remettre comme Jésus aime, mais vrai disciple aussi, il doit faire l'autre disciple. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur peut aider nous. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Éternel. Donc, vous n'êtes pas capable de faire disciple si vous-même vous êtes un vrai disciple. Vous êtes un protestant même d'abord, vous êtes un chrétien même d'abord, vous êtes un chrétien même d'abord. Mais pour faire disciple, selon volonté. Que le Seigneur vous bénisse.